Marie, Oh, gloire à notre Dieu qui, une fois de plus, témoigne de sa fidélité, de son amour, de ses bienfaits dans nos vies. Nous sommes là en cette matinée, hein, connectés à la source de vie, Sève, pour être encore connectés à notre Dieu, recevoir de lui qu'il nous enseigne, parce que nous voulons être de bons appliquants. Lorsque vous avez de bons professeurs, vous avez de bons enseignements, vous avez de bons livres, cela vous permet d'être de bons élèves, de bons étudiants, de bons appliquants, de bons croyants. Et nous, là, nous voulons être de bons chrétiens, des chrétiens qui honorons notre Père céleste, qui honorons notre Dieu et qui appliquons ses vertus, ses valeurs, ses instructions. Parce que nous voulons plaire à notre Dieu. Oui, nous voulons plaire à notre Dieu. Et nous avons foi en sa parole. Nous avons foi en sa parole. Aujourd'hui, nous allons, avant de poursuivre, nous allons prier, nous allons recommander ce moment afin que le Saint-Esprit dirige et conduise toutes choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et pour que tout ce qui sera fait soit toujours à l'honneur de ce Dieu-là qui est merveilleux, qui est glorieux. Oui, prions. Excellent Dieu, nous voulons bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu excellent. Oui, c'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous éduques, c'est toi qui nous diriges, qui nous corrige, qui nous redresse. De sorte que nous puissions marcher comme toi, tu veux que nous puissions marcher. De sorte que nous puissions rentrer, Père éternel Dieu, dans nos bénédictions. Oui, cette vie, Père, tu as comme une cache au trésor, une chasse au trésor. Tu as gardé, Père éternel Dieu, toutes les clés dans ta parole, afin que chaque découverte nous permette d'accéder à un trésor. Chaque découverte nous permette d'éviter des pièges. Chaque découverte nous permet d'avoir de la vie. Chaque découverte nous permet de communiquer la vie. Et ta parole est la vie et toi-même tu es la vie. Nous prions qu'en ce moment, tout ce qui sera dit et fait suscite en nous ce feu d'amour-là qui nous permettra aussi de contaminer nos frères et nos sœurs, à animer ce feu d'amour-là, à être aussi sel et lumière, à être amoureux de la parole et à la partager autour. Surtout, donne-nous de vivre la puissance, Père éternel Dieu, la plénitude du Saint-Esprit en nous, que nous puissions la manifester, marcher victorieux, marcher glorieux, marcher avec honneur, Père éternel Dieu, devant ta face. Et nous voulons te bénir. Sois élevé, Dieu de gloire. Merci pour cette matinée. Merci pour la confiance que tu places encore en nous en nous accordant le souffle de vie. Nous ne sommes pas méritants. C'est juste par grâce. Gloire te soit rendue. Excellent Père, c'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Oui, Jésus nous aime. Oui, Dieu nous aime. Oui, le Saint-Esprit nous aime. Notre Dieu nous aime. Voilà pourquoi dans sa parole, il y met tout ce qui est essentiel pour notre épanouissement, tout ce qui est essentiel pour cette vie que nous menons. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel nous sommes, les clés sont dans la Bible. Quel que soit, hein, le lieu, la famille, le foyer, les difficultés que nous traversons, les clés sont dans la Bible. Les clés sont dans la Bible. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler d'un thème qui, par moment, est bien compris par certains, d'autres pas, d'autres qui en abusent, d'autres qui détériorent un tant soit peu la compréhension, d'autres qui usent de cette connaissance-là pour en abuser d'autres, hein, pour dénigrer d'autres. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce chemin, nous sommes des apprenants, des amoureux de Jésus qui voulons apprendre, qui voulons manifester la puissance de ce grand Dieu-là qui est avec nous, qui est en nous. C'est un privilège.
d'avoir Dieu qui habite en nous. D'avoir Dieu qui habite en nous, c'est un privilège. Et je reste convaincu que tu ne peux pas avoir Dieu en toi et puis ne pas passer certains obstacles de ta vie. Tu ne peux pas avoir Dieu en toi et puis fléchir genoux devant certaines difficultés de la vie. Sauf si il le demande pour sa gloire. Sinon, naturellement, ayant le Saint-Esprit en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est une vérité qu'il faut accepter. C'est une vérité qu'il faut vivre et manifester au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler du parler en langue. Le Saint-Esprit m'a conduit à développer ce thème-là sur les 5 jeudis du mois d'octobre 2024. Les 5 jeudis, parce que certains m'ont écrit, prophète, prie pour que je puisse parler en langue. Je veux avoir le don du parler en langue. Je lui dis, mais c'est un don. C'est le Père qui donne. Moi, je ne peux rien faire. C'est vrai que on peut prier pour transmettre. Le Seigneur peut faire grâce. Il y a des versets bibliques où on a vu les apôtres qui ont imposé les mains et avec le Saint-Esprit qui a été donné, il y a eu la manifestation du parler en langue. Voilà, c'est dans ce sens-là que certains m'écrivent. Voilà, m'écrivent. Mais ici, c'est un don. Bien avant d'en arriver de justifier, j'étais de ceux-là qui, à un moment donné, s'est opposé au parler en langue. Voilà, je me rends mon témoignage. Je me suis opposé parce que je ne comprenais pas. Parce qu'il y a un groupe de chrétiens qui, quand tu arrives dans leur église, que tu ne parles pas en langue, on dit que tu n'es pas converti. Voilà. Pour ceux qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, se reconnaissent. Voilà. Quand tu es dans cette église, que tu ne parles pas en langue, on dit que tu n'es pas converti. Tu n'es pas chrétien. Voilà. Donc, tous ces éléments, les entendant, avant que je ne comprenne, ça m'avait renfermé. Ça m'avait renfermé. Ça avait créé un blocage. Voilà. Voilà pourquoi, en traitant ce thème, nous allons présenter aujourd'hui ce que la Bible en dit. Demain, nous allons, les autres jeudis, nous allons voir les avantages, les intérêts, les blocages. En tout cas, nous allons passer au peigne fin et prier pour que ceux-là qui doivent recevoir le don du parler en langue reçoivent ce don-là dans le nom de Jésus, puissent manifester ce don-là. Parce que je m'y suis opposé, le Saint-Esprit m'a fait grâce et ça m'a envoyé à un niveau supérieur. En termes de connaissance de la volonté de Dieu, en termes de manifestation de la puissance de Dieu, en termes de réalisation de la volonté de Dieu. Voilà. Ça, c'est moi, mon expérience. Et comme ça m'a fait du bien, quand j'ai compris que le Saint-Esprit me l'a révélé, aujourd'hui, j'en parle et je partage. Il faut faire très attention avec la lecture biblique, parce que certains prennent la lecture et s'arrête à un certain niveau et voilà, crée des blocages. Dans leur église, il faut pas parler en langue, ça va créer du désordre, c'est pas la peine. Ou bien le parler en langue, il a été dit les langues intelligibles, mais ils ne vont pas un peu plus loin pour comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement que des langues intelligibles. Il ne s'agissait pas seulement que des langues intelligibles. C'est là que aussi beaucoup ont commis, je vais me permettre de dire, une erreur en s'arrêtant seulement là. Et ne pas parler en langue ne dit pas que tu n'es pas chrétien. Ça aussi, c'est une hérésie, une erreur. Voilà. Ne pas parler en langue ne dit pas que tu n'es pas chrétien. Ne pas parler en langue ne dit pas que tu n'es pas sauvé. Tu l'es. Tu es chrétien, tu es sauvé. Et comme j'aime le dire, mais il y a des dimensions dans lesquelles, de profondeur, de connaissance de la volonté de Dieu dans lesquelles tu ne pourras pas accéder. C'est ça. Et j'ai toujours donné cet exemple-là. Deux personnes qui se rendent dans un supermarché, tous les deux ayant de l'argent, un à 1 000 dollars, l'autre à 15 000 dollars. Qui peut faire plus d'achats? 10 000 dollars, 15 000 dollars. Voilà. 10 000 dollars, 15 000 dollars. Donc, les deux personnes peuvent faire des achats. Mais celui qui peut faire plus d'achats, c'est celui-là qui a 15 000 dollars.
C'est simplement ça. Frères et sœurs, le parler en langue, dans d'autres contextes, on va vous parler de glossolalie, est un sujet abordé dans plusieurs passages de la Bible. Dans plusieurs passages de la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir que ce phénomène-là est souvent associé au baptême du Saint-Esprit et à la manifestation aussi des dons spirituels. Et là, aujourd'hui, nous allons explorer avec, bien sûr, le Maître, le Saint-Esprit, ce sujet concernant l'origine biblique du parler en langue, les avantages, et puis nous allons aussi parcourir certains auteurs chrétiens qui ont pratiqué, qui ont vu les avantages, d'autres même se sont opposés, mais après qui ont vu l'avantage, donc qui ont fait des livres. Nous allons aussi évoquer brièvement tout ça, mais on aura au 5 jeudis pour que cela soit parfaitement compris, pleinement compris, j'espère, et qu'au soir du 5e jeudi, ceux-là qui sont désireux de parler en langue, l'ayant compris, puissent recevoir ce don-là en la demandant, en le demandant, pardon, à notre Père. Origine du parler en langue. Le parler en langue est introduit dans les Écritures comme signe du baptême dans le Saint-Esprit et une manifestation surnaturelle accordée par Dieu. Et là, on se retrouve en Actes chapitre 2, les versets 1 à 4, que nous connaissons. Je fais rapidement la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez avec moi que lors de la Pentecôte, les disciples ici sont remplis du Saint-Esprit et commence à parler en d'autres langues. Et ce passage que nous venons de lire est un passage important car ce passage-là marque le début du ministère apostolique de l'Église. Voilà, du ministère apostolique de l'Église. Et quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous assemblés au même endroit, tout à coup, comme je l'ai dit, tout à coup. Tout à coup, un bruit comme celui d'un vent impétueux, remplit toute la maison. Et nous voyons ce qui est arrivé comme des langues de feu, semblables à des langues de feu. Le Saint-Esprit se posa sur chacun d'eux. Analysons un peu cela. Cela va nous permettre, comme nous sommes en train de parler de l'origine, en même temps du contexte, c'est-à-dire, la Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque, c'est-à-dire après la résurrection de notre Seigneur Jésus. Voilà. Et la Pentecôte s'appelait aussi la fête des moissons. C'est très important. Faut retenir tout ceci. La fête des moissons, c'était une des trois principales fêtes annuelles ordonnées par Moïse en Deutéronome, le chapitre 16, le verset 16. Pour dire que ce à quoi je veux en venir, ça attirait du monde. Voilà, ça attirait du monde. Et une fête de reconnaissance pour les récoltes, la fête de la moisson. Jésus a été crucifié au moment de la Pâque et il a été monté au ciel 40 jours après sa résurrection. Le Saint-Esprit est envoyé 50 jours après la résurrection de notre Seigneur, soit 10 jours après l'ascension. Les Juifs de plusieurs pays se retrouvent à Jérusalem. Pourquoi? Pour cette célébration. Et là, vous voyez que le discours de Pierre, au chapitre 2, le verset 14 exactement, acte 2, 14, l'exprime. Et donc, entendu par un public international, ce discours de Pierre, quand Pierre prend la parole, quand il a été dit qu'ils sont ivres,
C'est là que Pierre, hein, je lis, au verset 14, il est dit, alors, mais avant ça, il est dit qu'ils étaient en train comment on appelle, de parler des merveilles de Dieu. Ils parlaient tous des merveilles de Dieu. C'est quand la foule a commencé à dire ceux-là, ils sont remplis de vin doux. Et là, maintenant, il est dit, alors Pierre se présenta, hein, avec les onze. C'est-à-dire, il s'est présenté maintenant pour justifier. Pour justifier. Non, nous ne sommes pas ivres. Voilà. Jésus-Christ que vous avez tué. Bon, j'en passe. Il s'agit des premières conversions, hein, du christianisme qui se sont produites là. Donc, lorsque il y a la manifestation du Saint-Esprit qui est accompagnée du parler en langue, il y a des conversions. Il y a des conversions. J'ai encore d'autres versets bibliques, hein, qui peuvent soutenir cela. Il y a des conversions. Et c'est l'accomplissement de la parole de Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit par et de feu. Et cela, on voit en Luc, chapitre 3, le verset 16. Et celle du prophète Joël sur le déversement, hein, du Saint-Esprit en Joël, chapitre 3, les versets 1 à 2. Ce sont des passages très importants qu'il faut comprendre pour pouvoir cerner de façon très explicite, hein, la question du parler en langue et l'importance du parler en langue. Pourquoi des langues de feu? Les langues symbolisent la parole et l'annonce de la bonne nouvelle. La parole et l'annonce de la bonne nouvelle. Le feu symbolise la présence purifiante de Dieu qui brûle les éléments indésirables de notre vie et embrase notre cœur pour que nous puissions aussi enflammer la vie des autres. Donc, des langues semblables à des flammes, ça dit, ça va brûler en nous les éléments qui sont indésirables, hein, de notre vie et ça va nous embraser notre cœur de sorte que nous aussi nous puissions embraser. Vous avez vu que c'est ce qui est arrivé à Paul et à Pierre et aux onze. Ils ont été embrasés et ils ont embrasé. Ils ont été embrasés et ils ont embrasé. Le feu a brûlé la peur en Pierre qui était le peureux et embrasé son cœur et lui aussi il est sorti pour aller embraser. Donc ici, c'est là le contexte dans lequel est né le parler en langue. Il ne s'agit pas seulement que du parler de langue intelligible. C'est là que beaucoup s'arrêtent dans leur compréhension. Et ça a les limites. C'est comme quelqu'un qui est en train de creuser pour un trésor. Et à 1 mètre du trésor, il est fatigué, il est épuisé et il s'en retourne. Il se retourne, il abandonne. Dieu s'est révélé à ce groupe de croyants de façon spectaculaire. De façon spectaculaire, par un vent violent, par du feu, par son Saint-Esprit. Mais est-ce que toi aussi, tu veux que Dieu se révèle à toi de la sorte? J'évoque cela parce que on peut avoir des réunions de prière où de façon spectaculaire, ça peut se produire. Mais il peut aussi avoir des schémas dans lesquels, hein, le don du parler en langue peut être transmis de manière douce. C'est pourquoi j'évoque cet aspect. Dieu peut le faire, mais nous ne devons pas aussi lui imposer de répondre à nos attentes. C'est un don. Il est libre, il est souverain de nous le donner. Et dans 1 Roi, le chapitre 19, les versets 10 à 13, nous voyons là que Élie attend un message de Dieu. Il y a là un vent qui est fort et ensuite un tremblement de terre et finalement un feu. Mais Dieu envoie son message dans un murmure doux et léger, juste pour étayer ce que j'avais avancé un peu plus haut. Il peut employer de grands moyens pour œuvrer dans notre vie. Ou nous parler dans un doux murmure, nous devons attendre patiemment et nous devons rester toujours à son écoute. Rester toujours à son écoute. Frères et sœurs, vous verrez que notre Dieu peut aussi, par une action,
bruyante, violente, donner un don, ou aussi par un murmure doux, donner un don. C'est ce qui s'est produit. Le but, c'était d'attirer, lors de la Pentecôte, d'attirer l'attention du monde entier qui était là réuni. Du monde entier qui était là réuni. Donc, c'est ainsi qu'est né, hein, on va dire, le ministère, avec le ministère du Saint-Esprit. Donc, est né le ministère du Saint-Esprit, accompagné de ce don. Parce qu'il y a diversité de dons, on verra, mais de ce don. Donc, c'est un don qui est réel. Il ne s'agit pas seulement que du don intelligible. Certaines communautés chrétiennes disent que c'est, si tu peux, si le français existe, c'est que, voilà, il faut parler des langues qui existent. Des langues qui existent. Frères et sœurs, je suis au Canada. Quand je parle la nuit ici, là, qu'un Canadien m'entend, mais pour lui, c'est du n'importe quoi. Il n'a jamais entendu. Il ne se dit même pas que ça existe. Comment il fait pour savoir que la langue ani que sur lui parler existe s'il n'a pas déjà entendu? Donc, ceux qui ont cette mentalité sont limités. Tu entends le mandarin, tu n'as jamais entendu un chinois parler. Tu entends l'hindou qu'on croise ici au quotidien en train de parler. Tu n'as jamais entendu un hindou parler en Côte d'Ivoire. Comment tu fais pour savoir que le ndi qu'il est en train de parler est une langue qui existe. Et qu'est-ce qui nous dit que les langues qui étaient parlées, ils ont cité les Parthes, les Mèdes, les toutes, est-ce que ça vaut 120? Ils étaient à la chambre haute, chambre 120. Chacun parlait en des langues selon que l'Esprit donnait. Il y a des langues certainement qui étaient parlées, peut-être qu'on ne connaissait pas. Déjà, avec même l'intelligence humaine, venir se limiter à ça pour juste pour combattre le parler en langue, il y a un problème. Il y a une limitation. Et vous allez voir que tous ceux après, je vous ai dit, j'ai combattu le parler en langue. Mais quand le Saint-Esprit m'a fait grâce, comme il a fait grâce à Paul, quand Jésus a fait grâce à Paul, il a ouvert les yeux de Saul de Tarse qui est devenu Paul, il a compris. Mais à un moment donné, Saul de Tarse s'opposait. De cette même manière, je m'opposais aussi au parler en langue. Quand il a ouvert mes yeux, waouh! Autant de richesses que notre connaissance nous bloquait, nous cachait. Notre habitude chrétienne nous cachait, nous bloquait. Et on empêchait les gens d'évoluer. Il y avait une sorte, je vous l'ai dit, je vous le redis. Tous ceux qui ne sont pas vraiment dans la manifestation du parler en langue stagnent. Envoyez-moi une congrégation, envoyez-moi une communauté sincère. Je ne parle pas de ceux-là qui, voilà, sincères, qui vivent vraiment attachés au Seigneur, qui manifestent, qui pratiquent le parler en langue. Cette communauté ne va pas stagner. Cette personne ne va pas stagner. Personne ne peut pas stagner. Parce que le parler en langue, de la même manière, la foi est folle, le parler en langue est autant. C'est de reconnaître que tu es incapable et que c'est Dieu qui est capable. On va voir par la suite qu'au travers du parler en langue, nous sommes en connexion directe avec Dieu. Mais là encore, je vais expliquer des passages. Si tu es en connexion directe avec Dieu, puisque la Bible dit que ça t'édifie toi-même, mais on va voir le sens de l'édification tout à l'heure. Celui qui est édifié, n'est-il pas important pour l'Église, pour la communauté, pour la société? Bien sûr que si. Parce que tu es connecté au Père directement. À tout moment. Mais les gens, l'ennemi a voilé la mentalité des gens. Et s'est appuyé sur hein, les révélations de Paul, hein, qui, par moment, tu as l'impression qu'il fait les comparaisons entre les dons
Donc, on dit, bon, il faut préférer le don de prophétie au lieu du don du parler en langue qui t'édifie toi seul. Donc là, il faut aller t'édifier. Mais celui qui s'en s'édifier seul, après, il reste, il ne vient pas en communauté. Ce n'est pas quelqu'un qui sera enrichi de la connaissance de la volonté de Dieu pour la communauté. De ce fait, le parler en langue est bon. Elle doit être recherchée. Voici moi mon analyse. Il est tellement simple. Marc 16, le verset 17, Jésus lui-même fait allusion au parler en langue comme un signe qui accompagnera ceux qui auront cru. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Voilà, de nouvelles langues. Ceux-là qui s'opposent au parler en langue vont dire, c'est forcément les langues intelligibles. Vous allez prendre des commentaires bibliques qui vont vous dire, c'est forcément des langues intelligibles. Ou ils ne vont pas. Peut-être pour certains commentaires bibliques, on ne va pas vous dire c'est forcément, mais ils vont vous dire c'est probablement. Ok, probablement, ça veut dire ça laisse au moins une ouverture. Ça laisse une ouverture. Parce que ceux qui font le commentaire biblique, ils font le commentaire biblique avec le background, ce en quoi ils croient. Hein? Voilà, ce en quoi ils croient. En tout cas, le meilleur des livres, c'est la Bible, frères et sœurs. Corinthiens 12, le verset 10, on va parcourir le verset 28 et le verset 30. 1 Corinthiens 12, le verset 10 nous dit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à l'autre, l'interprétation des langues. Voilà, l'interprétation des langues. Pour nous dire qu'effectivement, c'est une réalité. C'est une réalité, le parler en langue. Maintenant, dans les églises, ce combat-là était du fait que Paul a dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et la prophétie édifie l'église. Mais une prophétie même, ça c'est si elle est en langue intelligible. Il y a des prophéties où on a besoin même d'interprétation. Donc cette prophétie-là, si elle n'est pas interprétée, elle est incomprise. Donc lorsque nous lisons la parole de Dieu, il ne faut pas se laisser, il ne faut pas être prisonnier avant de venir lire la parole de Dieu. Libère-toi, accepte que tu as des limites et que le Saint-Esprit comble ces limites. C'est comme ça qu'il faut aborder la Bible. Je vous rappelle. La Bible est une parole vivante. Ce n'est pas un livre mort. C'est une parole qui vit, donc qui communique. Elle peut réfléchir avec toi, si tu veux. Pose-lui des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Vous allez voir, la Bible va te répondre. Lorsqu'on était en année lycée, mais on interrogeait les tests. Avec des stratégies pour interroger les tests, tout pour que le test nous parle. Avec les techniques grammaticales, l'orthographe et consorts, les expressions, voilà. On interrogeait les tests. Mais de cette même manière, on interroge aussi la Bible, qui est une parole vivante, contrairement aux tests qu'on utilisait dans les années de lycée. Un Corinthien. 12, 28. Et Dieu établit dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, et ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 1 Corinthiens 12, 30. Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Interprètent-ils? Là, Paul est en train de nous faire savoir que c'est un don. Et ce don, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Donc, on ne peut pas dire que tu ne parles pas en langue, tu n'es pas chrétien. Comme tu ne parles pas en langue, tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Dieu donne en fonction des besoins du terrain.
Mais on peut inspirer, on peut demander cela à Dieu. Nous demandons le don, hein, de guérison. D'autres demandent le don de guérison et ils l'ont. D'autres demandent le don du discernement et ils l'ont. De cette même manière, on peut demander aussi ce don-là du parler en langue et la voix. Parce que celui qui a un don de guérison, celui qui n'a pas un don de guérison, mais qui a des malades autour de toi, qui est plus utile? C'est celui-là qui a le don de guérison. Donc, quand on a un don, c'est forcément pour le bien-être du corps du Christ. Analysons un tant soit peu, hein, les enseignements de Paul sur le parler en langue. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, surtout Corinthe, enseigne largement sur ce don. Avant même d'aller à 1 Corinthiens 14, hein, les versets 1 à 5, Corinthe était une église, une communauté très compliquée. Lisez tout le livre de Corinthiens, que ce soit 1 Corinthiens, que ce soit 2 Corinthiens. Corinthe était une ville perverse, avec beaucoup de troubles dans l'église. C'était à Corinthe où on trouvait ceux-là qui vont à chercher à aller marier, sortir avec la femme de leur père. Je dis ça pour dire qu'il y avait beaucoup de désordre. Donc, ce désordre-là est aussi entré dans l'église. Ce désordre-là est aussi entré dans l'église. Donc, Paul aussi, dans ses actions, cherchait à rétablir cet ordre-là. Et vous allez voir qu'à chaque fois, il va vous parler d'ordre, d'ordre, d'ordre. Mais aujourd'hui, certains vont dire, parler en langue, comme il n'y sait rien, il ne sait rien de ça. Il dit, bon, il faut bloquer le parler en langue pour qu'il y ait de l'ordre dans mon église. Mais non, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, 1 à 5. Paul donne des instructions claires sur l'utilisation des langues dans l'assemblée. Il souligne que bien que le parler en langue soit important, il préfère la prophétie, hein, pour l'édification de l'Église. Et comme il le dit au verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà. Mais moi, ça, je veux comprendre ça autrement. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Mais toi, tu as la capacité de parler à Dieu qui change les vies. Tu as la capacité de parler à Dieu qui exauce. Tu as la capacité de parler à Dieu à qui nous sommes en train de prier, à qui nous sommes en train de faire des requêtes. Des requêtes pour qui? Pour la communauté, pour les frères et les sœurs. De vous à moi. Ça n'a pas son importance. D'aucuns me diront, non, on va faire ça à la maison, mais en communauté, en groupe, il ne faut pas faire ça. Il y a problème aussi. Mais est-ce là, j'ai besoin de me connecter à mon Seigneur pour pouvoir vous faire des révélations. J'ai besoin de me connecter à mon Seigneur pour pouvoir vous donner la volonté de Dieu immédiatement là, par rapport à la circonstance dans laquelle nous sommes. Je fais comment? Je dois aller d'abord à la maison. Donc, il faut, quand on vient à la parole de Dieu, il faut venir vraiment avec humilité. Pas venir avec des idées préconçues, bloquées, dans lesquelles on se retrouve et on veut que ça soit ce que nous pensons qui se réalise. Non, la parole de Dieu, elle est vivante. Viens en tant qu'apprenant. Viens en tant que quelqu'un, un vase vide et demande à ce qu'il te remplisse. Paul précise ici que parler en langue est avant tout un langage spirituel pour la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Il ajoute que celui qui prophétise édifie l'Église, mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Sauf si une interprétation est donnée. Et 1 Corinthiens 14, 18, 19, Paul dit qu'il parle en langue plus que tous, mais qu'il préfère dire cinq paroles intelligibles pour instruire les autres, plutôt que dix
1000 en langue. Parce qu'il fallait corriger le peuple, les Corinthiens. Mais sinon, lui-même, Paul, il parle en langue. Ceux-là qui s'opposent au parler en langue, ils oublient ce côté-là. Que Paul dit que lui-même, il parle en langue plus que tous. Mais quand lui le fait, c'est avec ordre. Donc, pour régler ce problème de désordre dans l'église de Corinthe, il a donné des stratégies. Pas pour autant qu'il faut enlever ce don du parler en langue dans la vie du chrétien. Et des communautés ont enlevé cela de leur message, enlevé cela de l'interprétation de la Bible, enlevé cela des enseignements. Et on a des chrétiens qui sont là, qui sont limités, ils sont boiteux spirituellement. Beaucoup de chrétiens sont boiteux spirituellement. Se promènent avec beaucoup de carences. Lui-même, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. 1 Corinthiens 14, 39. Paul encourage à ne pas empêcher le parler en langue. Vous voyez, le même qui dit que je vais dire seulement cinq mots. Pour édifier, là, il dit de ne pas empêcher. Il faut comprendre, il faut lire tout, avoir l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Cette terre lui appartient. Jésus nous a confié au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous enseigner. Donc, tu ne peux pas venir à la parole de Dieu en mettant de côté le Saint-Esprit. Nous sommes sous le ministère du Saint-Esprit. Que tu le veuilles ou pas, c'est ce qui est. Jésus a dit qu'il s'en va. Je vais vous envoyer le consolateur. C'est pas lui qui est là. C'est à lui qu'on doit collaborer. Et il viendra là. Il parlera pas de lui-même, mais il va vous enseigner toutes choses. C'est parce que le Seigneur Jésus a dit. C'est dans cette dynamique-là que nous sommes. Il dit, ainsi donc, frère, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Je vais parler rapidement des avantages. Comme j'ai dit, on aura cinq, il nous reste quatre autres jeudis où on pourra développer cela. Et ceux-là qui sont désireux de manifester le don du parler en langue, vous allez l'avoir. Et je vais me réserver à la fin 10 minutes pour prier pour ceux-là qui sont désireux, jusqu'à ce que vous compreniez, parce que beaucoup sont dans l'ignorance, ne sachant pas, ça fait blocage. Voilà, ça fait blocage. Moi, le Saint-Esprit m'a fait grâce. Vraiment, ma vie spirituelle est une grâce. Parce que je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a enseigné. Le Saint-Esprit lui-même m'a révélé. Comme Paul pouvait dire, l'évangile qu'il enseigne n'a pas reçu ça des apôtres. Ça lui a été directement donné par Dieu. Le parler en langue présente plusieurs avantages. Le premier avantage que Paul a évoqué en haut, c'est l'édification personnelle. Paul explique à 1 Corinthiens 14, le verset 4, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, car c'est un langage spirituel qui permet une connexion profonde avec Dieu. Et il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Et cela m'a amené, lorsque je préparais ce moment, à chercher la définition de édifier, édification. Édification, ça veut dire quoi? Selon la Bible. L'édification dans un contexte biblique désigne le processus, suivez, hein, le processus par lequel un croyant ou l'Église dans son ensemble est spirituellement construit. Est spirituellement construit. Donc celui qui parle en langue se construit. Encouragé, fortifié dans sa foi. Donc, tu te construis
Tu t'encourages, tu es fortifié dans la foi. Mais celui-là qui se construit, quand tu te construis, tu te bâtis. Quand tu es encouragé, tu n'es pas sous la démotivation, tu n'es pas affecté par les circonstances du moment, tu fortifies ta foi. Mais tu ne deviens pas une utilité pour la communauté. D'où l'intérêt du parler en langue. Et imaginez que nous soyons plusieurs à nous construire, à nous encourager, à nous fortifier dans la foi. Mais notre communauté ne deviendra-t-elle pas plus forte? Mais ces enseignements-là, on nous les a cachés. Juste pour des questions de paresse spirituelle, on dit non, ça va créer des autres. Paul a dit ça va créer des autres. Mais c'est dans quel contexte il a dit que ça allait créer des autres? L'église de Corinthe était la ville de Corinthe était une ville perverse. Il y avait trop de problèmes qu'ils avaient transplantés dans l'église. Paul réglait tout ça en gérant en même temps les aspects spirituels. Il faut connaître ce contexte. Il faut lire la Bible. Il faut faire des recherches. Et surtout se laisser enseigné par le Saint-Esprit. C'est une forme de croissance spirituelle qui vise à bâtir une vie chrétienne solide, approfondir la connaissance de Dieu et à développer les vertus chrétiennes. C'est édification. Donc, le fait de parler en langue, comme Paul dit, ça t'édifie toi-même là. Voilà tout ce que ça te donne. Mais quand tu as ça, est-ce que tu vas t'isoler sur une île comme Robinson Crusoe? Non. Tu es édifié, tu vis en communauté. Et le thème est édification. Ça dit. Ça signifie littéralement, ça dit construire un bâtiment, ça dit c'est se bâtir. Donc, plus vous avez des personnes qui parlent, vous êtes en train de vous bâtir. Tu n'en es même plus conscient, mais tu te bâtis. Vous allez voir avec les exercices qu'on fera. Ça, je vais vous le dire par expérience. Prie en langue, 1 heure, 2 heures, 30 minutes. Tu vas voir les réponses que le Seigneur va te donner pour des questions que même tu ne t'es pas posées. Dieu va te confier des solutions à des problèmes de certaines personnes pour demain. C'est au travers du parler en langue que le Seigneur a développé en moi l'interprétation. Il m'a fait la grâce de l'interprétation du songe, des rêves, des visions. Et deux fois, lorsqu'on me compte songe, rêve, vision, comme en même temps où je suis en train de vous parler, je suis en train de parler en langue intérieurement, ça veut dire que je suis connecté au Père. C'est ça. Il arrive en même temps à recevoir, il arrive en même temps à me donner l'interprétation du songe, du rêve que tu es en train de me communiquer. Mais avec ça, certaines personnes, comme moi-même au passé, dans le temps, j'ai lutté, je me suis opposé au parler en langue. Parce que je venais intelligent, là, voilà, tu es diplômé, tu connais, donc tu viens, tu sais agencer A plus B, là, tu fais des démonstrations. Paul a dit ça, ta, 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 ta. Donc, oh, allez, mets ça de côté. Mais quand le Saint-Esprit t'a saisi, m'a saisi comme ça, et vous allez voir que prenons 1 Corinthiens 12, 14, 12. Il est dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Vous allez voir que ce verset montre que les dons spirituels doivent être utilisés pour édifier, c'est-à-dire pour construire et fortifier l'Église. Mais parmi les dons spirituels, il y a le don du parler en langue.
Il y a le don du parler en langue. Éphésiens 4, 11, 12 va nous dire, il a été donné, hein, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Pour édifier le corps du Christ, c'est un des rôles du parler en langue. Ici, l'apôtre Paul explique que le ministère dans l'Église vise à bâtir le corps du Christ et à le faire grandir spirituellement. C'est le rôle du parler en langue. Donc, toi qui t'opposes au parler en langue, revois-toi. Ce n'est pas une question d'orgueil. Laissez ça. Vous avez été orgueilleux pendant des années. Tu es limité là où tu es. Tu stagnes. Tu stagnes. Dans ta connaissance de la volonté de Dieu, tu stagnes. Dans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, tu stagnes. Dans la manifestation des dons spirituels, tu stagnes. C'est une réalité. Ce n'est pas une affaire d'orgueil pour venir dire, j'ai fait 160 ans dans l'Église, je sais moi que... Non, 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 tu stagnes. Tu stagnes. Un peu d'humilité. Interroge le Saint-Esprit, interroge la parole de Dieu, il va te révéler que tu stagnes. Nous allons voir que l'édification implique plusieurs aspects. L'encouragement mutuel. Les croyants sont appelés à s'encourager et à se fortifier mutuellement dans leur foi. L'enseignement, 1 Thessaloniciens 5, 11. Hein, l'enseignement et la formation, elle passe par l'instruction biblique et l'apprentissage des doctrines chrétiennes, 2 Timothée 3, 16, 17. L'édification encore, la correction et la discipline. Mais c'est ça. Au travers du parler en langue, il y a des révélations que le Saint-Esprit te fait dans ce sens. L'unité et l'amour de l'Église, le Seigneur te fait des révélations là. Un autre des avantages du parler en langue, c'est de prier selon la volonté de Dieu. C'est de prier selon la volonté de Dieu. Et là, on retourne à Romains, le chapitre 8, les versets 26 à 27, où le Saint-Esprit nous aide parce que nous ne savons pas ce que nous devons demander lorsque nous prions. Des fois, tu veux prier même pour tes besoins, tu ne sais même pas ce dont tu as besoin. Tu sais que tu es dans le besoin, mais tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Mais si tu pries en langue, non seulement tu peux prier longtemps, mais le Saint-Esprit se charge de demander des choses qui te sont utiles dont toi-même tu n'en es pas conscient. Raison de plus de prier en langue, de demander ce don-là à Dieu. De demander ce don-là à Dieu. Une autre raison, c'est la manifestation de l'esprit dans le culte. Et on voit 1 Corinthiens 14, 20, Paul indique que la langue sont un signe pour les incroyants. Voilà. Les langues sont un signe pour les incroyants, témoignant de la puissance de Dieu. Et jeudi prochain, je vais venir avec des versets où il y a eu la transmission, hein, je donne rapidement cet exemple-là de Actes 10, 44, où il est dit ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce don. Donc, ceux-là qui ne sont pas encore vraiment affermis, ça les attire, ça les interpelle. Et Pierre fut étonné du don du Saint-Esprit, que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Répandu sur les païens. Car il, le verset 46, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Pour ceux qui disent que c'est langue intelligible, mais Pierre qui est en train de leur parler. Là. Mais pourquoi on va dire qu'ils entraient parler en langue, puisque Pierre leur parlait déjà dans leur langue? C'est comme si on est dans un village à Agny. Moi, je suis à Agny. Je viens enseigner en Agny.
C'est ce qu'on connaît. Et puis on dit, non, ils sont en train de parler en langue. Ça fait bizarre. Donc vous voyez que là, c'est du parler en langue dont on parle, qui accompagnait, hein, la transmission du Saint-Esprit, la manifestation, hein, du baptême du Saint-Esprit. Nous allons prier. Nous allons prier pour les 10 minutes qui restent. Les autres jours, j'aurai l'occasion de revenir sur ce qui peut bloquer les difficultés, d'autres avantages, hein, comment comprendre cela et puis les expériences. Vous partagez mon expérience. Oui, mon expérience. Et je me rappelle très bien en 2017, quand j'étais en train de conduire et puis j'écoutais un message et puis pap, le Seigneur, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai commencé tout seul à parler sur des kilomètres et des kilomètres, j'ai commencé à parler en langue. Mais les choses ont changé. J'étais dans une période de soif exceptionnelle. La manifestation des visions. Je vous demande juste de l'expérimenter. Il faut demander cela au Seigneur. Et comme je l'ai dit en introduction, ne pas parler en langue ne dit pas que tu n'es pas chrétien. Ne pas parler en langue ne dit pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux même pas être chrétien. Prions. Tu vas prier si c'est ton désir. Que tu ne parles pas encore langue, tu vas demander cela au Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux aller en eau profonde avec toi. Je veux être une personne meilleure, un chrétien meilleur, qui connaît les profondeurs de ta connaissance, de ta volonté. Et je veux manifester cette puissance-là, avoir le baptême du Saint-Esprit, pour moi aussi pouvoir manifester ce don-là. Ce don-là qui me permet d'être de façon continue connecté à toi. Je veux que tu me fasses grâce, car je veux être connecté à toi. Oui, nous disons connecté à la source d'eau vive. Notre but, c'est d'être connecté de façon régulière, régulière, chaque seconde, chaque minute à notre Dieu, afin de recevoir de lui les instructions, de telle sorte que, hein, comme le ciel soit ouvert sur notre tête, Seigneur. Pour les écluses des cieux, ouvre le ciel sur notre tête. Nous voulons voir les anges monter et descendre, les anges monter et descendre, pour dire que nous sommes connectés à toi, afin que nous soyons édifiés. Nous soyons édifiés pour en retour nous-mêmes édifier nos frères et sœurs, pour que nous soyons embrasés, que nos cœurs soient embrasés, que ce qui ne te confesse pas en nous soit brûlé par le feu du Saint-Esprit, que ce qui ne te glorifie pas en nous soit brûlé par le feu du Saint-Esprit, et que notre cœur soit embrasé, que nous puissions parler en langue. Que nous puissions parler en langue, que nous puissions être édifiés, édifiés, construits, petits comme il se doit. Afin d'être une source de motivation, afin de pouvoir consoler comme toi-même tu l'es, le consolateur, nos frères, nos sœurs, afin de pouvoir fortifier les personnes autour de nous, afin de pouvoir intercéder, prier pour les uns les autres, afin de pouvoir, Père éternel, communiquer cette flamme-là autour de nous. Pour que nous puissions avoir des personnes aussi embrasées, embrasées, nos frères et sœurs embrasés, pour que nous puissions avoir des chrétiens embrasés, nos communautés embrasées, des frères et des sœurs qui aiment l'évangélisation. Oui. Qui aiment partager l'évangile, qui aiment partager la parole, qui aiment s'abandonner au Seigneur, qui aiment se laisser diriger par le Saint-Esprit, à marcher en nouveauté de vie, à marcher dans une vie de foi réelle, constante, régulière, pour la gloire de Dieu. Excellent Dieu, fais grâce à ceux-là qui sont désireux de parler en langue. Fais grâce à ceux-là qui sont désireux de parler en langue. Et oui. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence. Donne-nous d'aller en eau profonde avec toi, Père. Nous voulons aller en eau profonde. Nous voulons aller en eau profonde. Oui, nous voulons nous séparer, Père, des enseignements que nous avons reçus qui
nous bloque dans notre avancée spirituelle, dans notre maturité spirituelle. Nous voulons nous séparer de notre culture familiale de conception que nous avons reçue, qui a créé un blocage qui nous empêchait de comprendre que le parler en langue est une utilité. Le parler en langue est une utilité. De la même manière, nous désirons le don de prophétie. De la même manière, nous désirons le don de guérison. De la même manière, nous désirons le don des paroles de connaissance. Nous devons aussi désirer le don du parler en langue. Nous devons aussi désirer le don du parler en langue. Oui, le parler en langue est un fruit. Fais-nous grâce, Seigneur Esprit Saint, qui accompagne ta présence, qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. Oh, baptise tes enfants, remplis tes enfants, que nous ayons la plénitude du Saint-Esprit, que la manifestation, oui, Père, de ta plénitude soit palpable dans la vie des uns et des autres. Et oui, Père, que nous puissions aller dans cette dimension nouvelle avec toi. Gloire te soit rendue, Jésus. Fais grâce. Agis maintenant. Agis maintenant dans la vie de mon frère et de ma sœur. Agis maintenant dans la vie de mon frère et de ma sœur. Agis maintenant dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur Esprit Saint, oui, à la Pentecôte, tu es venu semblable à des langues de feu, semblable à des langues de feu, pour nous dire que tu es disposé, disponible pour collaborer avec nous, pour nous dire que tu es là, Père, pour consumer tout ce qui est péché en nous, pour consumer tout ce qui est noirceur en nous, pour consumer tout ce qui est paresse, pour consumer tout ce qui est forteresse en nous et embraser notre cœur. Ô Père, embrase nos cœurs. Ce qui créait des blocages, ce qui créait des blocages, que ce soit la honte, que ce soit la peur, que ce soit la honte, que ce soit la peur, consume cela par ton feu, Seigneur Esprit Saint. Et révèle-nous les vérités cachées, les mystères cachés. Révèle-les-nous afin que nous puissions être agréables. Réveille-les-nous afin que nous puissions marcher comme notre Seigneur veut que nous puissions marcher. Nous voulons marcher, Père éternel Dieu, en étant des personnes bâties, des personnes construites, des personnes édifiées, qui à leur tour vont aussi édifier. Des personnes encouragées, qui à leur tour vont aussi encourager. Des personnes remplies avec une foi grande qui vont aussi communiquer cette foi grande autour d'elles. Oh, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce pour tous ceux-là, Père, qui écrivent, qui demandent à parler en langue. Fais-leur grâce. Fais-leur grâce comme tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce et tu as accompagné cela d'autres dons. Le don de prophétie, le don d'interprétation des songes, des rêves, des visions. Fais grâce. Le don de guérison, fais grâce. Le don de foi, fais grâce. Le don du discernement des esprits, fais grâce. Fais grâce, Père, à tes enfants que nous sommes. Nous sommes là, nous voulons évoluer, nous voulons grandir, nous ne voulons pas stagner. Nous ne voulons pas stagner. Nous voulons, Père éternel Dieu, rentrer dans l'application de tes paroles. Tu as dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettis, si c'est dominer. Mais pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à se multiplier? Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à dominer? Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à assujettir? Ce qui fait blocage, Père éternel Dieu, annule cela par ton feu dans le nom de Jésus. Oui, à Babel, quand le monde a voulu s'opposer à ce principe, en ne voulant pas s'étaler sur toute la terre, mais en voulant créer une tour pour remonter à toi, avec cette unité-là, juste pour remonter à toi, mais pour ne pas obéir à ta parole. Oui, Père, tu les as frappés de confusion en leur donnant plusieurs langues. Oui, nous sommes disposés à nous multiplier, à occuper la terre, mais nous voulons être bâtis, nous voulons être remplis de foi. Nous voulons être des personnes non seulement encouragées, fortifiées, qui allons aussi encourager, fortifier dans le nom de Jésus. Des personnes remplies de ta puissance,
qui allons communiquer cette puissance-là autour de nous dans le nom de Jésus. Aide-nous le parler en langue. Et donne-nous, Père éternel Dieu, de le pratiquer au quotidien. Et qu'au travers de cette connexion régulière, permanente, tu déverses en nous ta volonté. Tu déverses en nous tes instructions. Tu déverses en nous ta volonté. Tu déverses en nous tes instructions. Tu déverses en nous, Père éternel Dieu, tes directives pour que nous puissions les accomplir. Révèle-nous ce que nous devons savoir pour que nous puissions être agréables à ta personne. Révèle-nous ce que nous devons savoir pour que nous puissions marcher comme il se doit. Révèle-nous ce que nous devons savoir pour que, Père éternel Dieu, nous évitions les pièges de la vie. Nous évitions les pièges de nos ennemis. Nous évitions les flèches enflammées de l'ennemi. Nous évitions les forces qui ont été créées. Oui, ce que Naaman a fait pour pouvoir nous nuire. Oui, les pièges de Naaman. Révèle-nous pour travers du parler en langue, pour que nous puissions les éviter. Révèle-nous, communique-nous ta sagesse, pour que nous puissions avoir une vie remplie de sagesse à tous égards, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, renouvelle notre intelligence. Nous avons, Père éternel Dieu, trempé dans du conformisme. Nos parents pensaient tel, nous aussi nous venons, nous pensons tel, sans nous laisser transformer par la parole. Nos communautés ont pensé tel, nous aussi nous venons penser tel, sans nous laisser transformer par la parole, sans interroger la Bible qui est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, capable de séparer âme et esprit, moelle et jointure, de sonder les sentiments, de juger nos émotions, que nous puissions communiquer avec elle, que nous puissions communiquer avec elle. Afin qu'en son temps, Père, tu nous donnes la révélation nécessaire. En son temps, Père, tu nous donnes les instructions nécessaires. En ce temps, Père, tu nous donnes la puissance, le revêtement nécessaire pour que nous puissions accomplir cette mission qui est la nôtre. Sois élevé, Dieu de gloire. Merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence qui est tangible. Merci pour cette grâce que tu fais à tes enfants. Merci parce qu'au travers de ce temps, tu es en train de guérir des personnes. Tu es en train de délivrer des personnes possédées. Au travers de ce temps, tu es en train d'accorder des dons nouveaux à des personnes. Au travers de ce temps, tu es en train de bénir davantage, ouvrir des portes parce que les écluses des cieux sont ouvertes. Le ciel est ouvert. Et nous voulons te bénir parce que oui, nous sommes connectés à toi. Oui, nous sommes dépendants de toi. Oui, Père, sans toi, nous ne savons rien, nous ne voyons rien, nous n'entendons rien, nous ne pouvons pas nous déplacer. Gloire te soit rendue pour l'édification du corps de Christ. Gloire te soit rendue pour mon édification, l'édification de mon frère et de ma sœur. Gloire te soit rendue pour ce que tu ajoutes. Un plus dans notre vie, dans nos capacités, dans notre entendement, pour ta gloire, pour notre bien. Excellent Père, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Nous pouvons ensemble dire Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Gloire à Amen, Jésus. amen, amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous Amen. bénisse et qu'il Amen. nous aide à maturer, à pratiquer régulièrement le parler en langue. Et je Amen. ferai de cette sorte que jeudi prochain, on puisse avoir certainement 30 minutes. On va prier en langue. Vous allez voir que le Seigneur va vous donner des dons ou va réveiller des dons en vous. Va réveiller Amen. des dons en vous. Amen. Et il va accompagner cela de d'autres dons que vous allez manifester. Et puis certainement des témoignages seront donnés. Hein, pour ceux-là qui pratiquent le parler en langue, je vais me permettre d'échanger en amont avec certaines personnes. Le révérend aussi est là, je vais certainement le voir. S'il y a des témoignages, le fait de parler en langue, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment est-ce que le Seigneur te communique? Nous allons rendre des témoignages ici pour que nous puissions comprendre que c'est une vérité pour certains, elle a été cachée. Je vous dis que moi-même, je me suis opposé pendant plusieurs années jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même vienne me prendre et puis me transforme. On ne m'a pas enseigné dessus. On ne m'a pas enseigné dessus. Il m'a fait grâce. Excellente journée à tous.
Bon jeudi, que le Seigneur permette que cette journée de jeudi soit remplie de gloire, de succès, Amen. qu'il vous donne la force de passer les difficultés que vous allez rencontrer, qu'il vous donne Amen. la sagesse de trouver les solutions aux problèmes qui vont se présenter à vous, qu'il vous donne Amen. sa puissance afin que, quelles que soient les flèches enflammées de l'ennemi qui viendront, vous soyez à même d'être toujours debout, arrêté, victorieux, témoignant de la puissance du Saint-Esprit en vous et de la gloire de Dieu qui vous accompagne maintenant et toujours. Parce que c'est lui notre forteresse, c'est lui notre refuge. Et en lui, nous n'avons pas à craindre parce que nous serons paisibles comme cet oiseau-là qui, pendant la tempête, est paisible dans le creux de la roche, sachant que, quelle que soit la situation, elle est en sécurité. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. J'ai dit à tout le Amen. monde. Au revoir, Daddy. Bye. Bye.